Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Ouvrons cette édition du journal avec le décryptage du discours du chef de l'État Idriss Déby Itno à la tribune des Nations Unies le 24 septembre dernier. Ce soir, la rédaction de la télévision nationale s'est intéressée à la question de la réforme de l'ONU. Souleymane Diabo. Intentionnellement oublié par le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique revendique une voix, un veto et une valorisation de son poids géostratégique. En effet, depuis 74 ans, ce sont les puissances mondiales qui, permettez-moi l'expression, continuent de dicter leurs lois. Et les leaders africains n'ont jamais cessé de dénoncer cette injustice historique qui les prive de siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ainsi que le président de la République Idriss Déby Itno, dans sa déclaration à la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, parle d'une revendication légitime qui ne saurait se diluer dans des négociations interminables engagées depuis des années sans aucun progrès. Mieux, la plupart des dossiers traités par le Conseil de sécurité de l'ONU concernent directement l'Afrique. La réforme tant souhaitée permettra sans nul doute au continent d'être authentiquement représentatif de la volonté internationale. Réaffirmant l'attachement du Tchad à la position commune africaine, le chef de l'État demande la réparation d'un flagrant préjudice causé à un continent qui compte plus d'un milliard d'âmes, privé injustement de sa place légitime dans les systèmes des Nations Unies. Depuis la fin de la guerre froide, le monde est à la recherche en vain d'un système de sécurité. La philosophie du réalisme politique protège les riches et multiplie les crises dans les pays pauvres. Le consensus des Ulwini, rappelé par le président de la République Idriss Déby Itno, exige une représentation au sein du Conseil de sécurité de sept membres dont deux permanents avec un droit de veto. À travers ce consensus, l'Afrique sollicite une participation plus juste, plus équilibrée et plus représentative au Conseil de sécurité de cette organisation mondiale. Et ce, dans l'optique de pouvoir assumer pleinement son rôle dans la promotion de la paix dans le monde. Il faut reconnaître que la structuration de l'Organisation des Nations Unies est obsolète au regard des réalités de l'heure, car elle ne reflète plus la nouvelle configuration mondiale qui exige une profonde réforme en vue de répondre aux défis actuels. Ce qui impose des changements audacieux et radicaux du système de développement de cette organisation pour l'émergence d'une nouvelle vision. Car après l'échec de la Société des Nations SDN, l'ONU a du mal à prévenir le conflit dans le monde. Et l'Afrique est devenue cette poudrière où des conflits de toutes pièces sont créés ça et là pour tester des armes nouvellement fabriquées afin de freiner davantage les efforts que ne cessent de déployer les Africains pour l'amorce du développement de leur riche continent qui a tout donné. Et puis ce message du président de la République, Idriss Déby Itno, à son Excellence Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Monsieur le président et cher ami, la commémoration le 1er octobre 2019 de la fête nationale de votre beau et grand pays, la République populaire de Chine, m'offre l'agréable occasion de présenter à votre Excellence, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Je me réjouis des relations exemplaires d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre nos deux pays et vous assurer de ma ferme volonté de travailler de concert avec vous à leur resserrement au bénéfice mutuel de nos deux peuples amis. En souhaitant bonne fête au peuple chinois tout entier, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, cher ami, l'assurance de ma très haute considération. Ce message est signé du Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Idriss Déby Itno. Et suite au décès de l'ancien président de la France, Jacques Chirac, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzoubé Païmi Debi, s'est rendu ce jour 30 septembre à l'ambassade de France au Tchad pour présenter ses condoléances au nom du président de la République, Idriss Déby Itno. Un reportage signé Nassou Nouditi. La France porte le deuil depuis le décès de son ancien président de la République, Jacques Chirac. À l'entrée de l'ambassade de France au Tchad, le drapeau est mis en berne.
C'est pour partager la douleur du peuple français suite à cette perte incommensurable que le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païmi Debe, représentant le président de la République Idriss Déby Itno, a fait le déplacement de l'ambassade de France quelques heures après les obsèques et l'inhumation de feu Jacques Chirac au cimetière de Montparnasse à Paris. Kalzebe Païmi Debe est accompagné du ministre de la Communication, Oumar Yahya Hissène, de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Madame Achta Saleh Daman, et du directeur de cabinet civil du chef de l'État, Dr Abdoulaye Sabour Fadl. L'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Koucheri, a exprimé toute sa reconnaissance au Tchad et à son président pour cette marque de sympathie. Il est 15h pile, au moment où la France observe une minute de silence à l'ambassade de France au Tchad, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, la délégation qui l'accompagne et l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Koucheri, observe la minute de silence à la mémoire du grand homme d'État que fut Jacques Chirac. La minute de silence observée, l'air affligé, la mine serrée, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, signe le livre d'or au nom du chef de l'État. Il écrit d'une plume touchante, je cite, « Ce 26 septembre 2019, l'ancien président Jacques Chirac s'en est allé, plongeant ses compatriotes et tous ceux qui l'ont connu à travers le monde dans l'émoi et la tristesse. Avec cette disparition, la France perd un fils emblématique qui a su incarner l'âme de son grand pays et des valeurs humanistes universellement partagées. L'ancien président Jacques Chirac était respectueux de l'Afrique, de ses peuples, de ses dirigeants et de sa riche culture. Il était attaché à mon pays, le Tchad. Ensemble, nous avons œuvré pour rapprocher nos deux peuples et raffermir les relations entre nos deux États. Je garde le souvenir d'un homme jovial, affable, digne et proche des gens. Au nom du peuple tchadien, de mon gouvernement et à mon nom propre, je réitère mes condoléances les plus adressées au peuple français, à son gouvernement et à son président, mon ami Emmanuel Macron. Le Tchad partage la peine du peuple français et lui exprime toute sa solidarité dans ce douloureux moment. Adieu, Monsieur Jacques Chirac. Fin de citation. C'est après avoir partagé avec la France, au nom du président de la République Idriss Déby Itno et du peuple tchadien, l'immense douleur et le chagrin que le ministre d'État et la délégation qui l'accompagne quittent les locaux de l'ambassade de France au Tchad. Les membres du comité de suivi des résolutions du Forum national inclusif se sont rendus ce matin au Haut Conseil des collectivités autonomes et chefferies traditionnelles. Face aux membres de cette institution, le comité a fait l'état de lieu de la mise en œuvre des résolutions du Forum national inclusif. Les assises ont été présidées par Dr Nouradine Deloa Kassiré Koumakoy, par ailleurs président du dit conseil. Dame Guéjoël. C'est une rencontre de haut niveau entre le comité de suivi des résolutions du Forum national inclusif, avec à sa tête Dr Nouradine Deloa Kassiré Koumakoy, ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, et Tamitadi Dingar, président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, et ses collaborateurs. Une rencontre qui vise à faire l'état des lieux de la mise en œuvre des 74 résolutions découlant de la grand-messe nationale et a donné naissance à la 4e République. Parlant de l'application des recommandations qui portent sur les réformes des institutions de l'État, le deuxième rapporteur du comité technique de rédaction, Senoussi Hassana Abdoulaye, tire un bilan positif au regard des lois et des décrets initiés et appliqués par le gouvernement. Ce qui concerne la forme de l'État, c'était la première thématique et dans sa mise en œuvre, elle comportait 14 résolutions. Dans les 14 résolutions qui étaient adoptées à l'issue du Forum national inclusif, il y en a 11 qui sont aujourd'hui réalisées ou en cours d'être réalisées. Les trois autres, c'est-à-dire celles liées au régime financier des collectivités, n'est pas encore élaborée. La question du statut particulier de la ville de Niamey n'est pas encore tout à fait réglée. Et enfin, dernière chose, c'est la question de l'agence de développement des collectivités autonomes. Sur les résolutions réalisées, il peut être indiqué que la forme de l'État adoptée par la Constitution de la 4e République
a été intégralement mise en œuvre. Quant aux réformes en vue de la consolidation de la paix, de l'unité nationale et de la bonne gouvernance, le vice-président du comité de suivi, Abdoulaye Mbodoumbami, se prononce. Aujourd'hui, dans le domaine effectivement des résolutions pacifiques des conflits, dans le vivre ensemble, il y a plusieurs textes qui ont été adoptés. Nous comptons déjà une vingtaine de textes qui, déjà dans le domaine des résolutions pacifiques, dans le domaine de vivre ensemble, dans le domaine de consolidation de la paix, dans le domaine de l'unité, dans le domaine de la promotion des femmes, dans le domaine des handicapés, ainsi que dans le domaine aujourd'hui de la jeunesse, avaient été pris. Donc, pour l'essentiel, je peux dire que 15%. C'est l'occasion pour le président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles de dresser le tableau de réalisation de son institution. Il y a eu des missions qui ont été organisées par le Haut Conseil dans 16 provinces, du pays, pour d'abord faire la présentation du Haut Conseil au niveau provincial, parce que très peu de gens connaissent effectivement qu'est-ce que le Haut Conseil, quelles sont ses missions, les membres. Et effectivement, il y a eu, disons, des missions qui ont été organisées dans les 16 provinces. Ça a permis, disons, au Haut Conseil, disons, de présenter, disons, l'institution aux populations dans les provinces, de dire à peu près au niveau des autorités traditionnelles, comme vous voulez le dire, quelle est leur mission maintenant par rapport, disons, à la 4e République. Et effectivement, nous avons attiré l'attention des chefs de canton, des sultans, sur le fait que les autorités traditionnelles sont, disons, des agents, disons, de la paix et de la cohésion sociale. Les membres de cette institution, découlant de la 4e République, dans les échanges avec le comité de suivi, ont fait des suggestions et des propositions au dit comité afin que l'application des 74 résolutions soit totale le plus tôt que possible. Des recommandations que le président du comité de suivi, Dr Nouradine Deloa Katsire Koumakoui, promet de transmettre à qui de droit. Le président du comité de suivi des résolutions du Forum national inclusif, tout en rappelant aux membres du Conseil des collectivités chefferies traditionnelles les raisons de la création de leur institution, les encourage au travail. Suivez. Comment faire pour que le Tchad là trouve la paix, qu'on vive en harmonie? C'est le but du président Idriss. Nous sommes un pays riche, nous ne sommes pas pauvres. Dieu nous a donné la terre suffisamment vaste. Il nous a donné de l'eau partout. Les êtres humains, on en a. Mais nous ne sommes pas en mesure de nous entendre et vivre en paix pour exploiter toute cette richesse. Je suis convaincu que maintenant nous sommes en voie d'engager cette ligne. Nous sommes en train de... Vous avez été choisis décider pour cette raison. Vous avez, ça a été une grande réflexion de vous dire. Peut-être pendant trois ans que le président réfléchit. Comment faire pour que notre pays, qui est si riche, qui est aussi si peuplé, nous n'arrivons pas à nous entendre et à pleurer des familles. C'est ça le résultat que nous sommes en train de suivre. Puisque votre institution là est créée justement pour régler les problèmes que vous venez de citer. Le but, c'est ça. On dit, vous n'êtes ni sénateur, vous n'êtes ni quoi. Nous, on sait ce qu'on veut. C'est chercher la paix, la fraternité de tout le monde. Vivre ensemble heureux. C'est ça le but. Vous n'êtes ni membre du gouvernement, ni député. C'est une appellation qui n'existe pas encore. Donc vous pouvez supposer que c'est une richesse profonde. Et le président Idriss tient à ça. Ne vous gênez pas. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, écrivez-lui. Au Palais de la démocratie, les élus du peuple ont adopté ce matin deux projets de loi liés au secteur des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. C'est à l'issue d'une plénière dirigée par le 5e vice-président de l'Assemblée nationale, Ibni Omar Daoud. Compte rendu de Barroubert. Deux projets de loi sont soumis à l'intention des élus du peuple. Le premier porte ratification de l'ordonnance autorisant le président de la République à ratifier l'accord d'un prêt préférentiel d'un montant de plus de 111 milliards de francs.
Le second a trait à l'accord de coopération économique et technique d'un montant de plus de 14 milliards de non-francs à titre de don entre la République du Tchad et la République populaire de Chine. Ces deux accords sont liés au secteur de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il s'agit à travers ces deux accords de prêt de doter le Tchad d'un centre national de données, de réaliser le réseau en fibre optique et de moderniser le groupe Sotel Tchad. En procédant à l'examen de ces deux instruments juridiques, les élus du peuple ont particulièrement mis l'accent sur la gestion de ces deux projets. Les dispositions prises par le gouvernement afin de permettre à la population d'en tirer profit. La Sotel fait le surplace. La Sotel n'est... Si on prend Tigo et Airtel, il y a une vraie concurrence. Mais Sotel est resté très loin. Pour ces prêts actuels, quelles sont les dispositions qui sont prises pour faire en sorte que la grande partie de ce sous entre réellement dans le développement du pays? Réformant aux différentes préoccupations soulevées par les élus du peuple, les membres du gouvernement soutiennent que des dispositions sont prises pour la mise en œuvre de ces projets. Je puis vous dire que le travail que nous sommes en train d'être fait en ce moment pour augmenter l'efficacité des projets et la qualité des dépenses, ce travail va s'ouvrir aussi aux propositions, aux suggestions d'amélioration des députés, de mesdames et messieurs les députés, mais d'autres acteurs aussi au niveau local, pour permettre qu'à terme, les projets atteignent les objectifs pour lesquels ils ont été conçus, que le taux de perte ou le taux de faiblesse soit moindre comparé à ce que nous avons pour l'instant qui est perfectible et que, pour lequel nous travaillons tout le temps. S'agissant de la relance du groupe Sotel Tchad, le ministre des Postes, de Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication envisage de restructurer la dite société afin de maîtriser la masse salariale en réduisant les charges. Nous sommes en train de travailler, mais nous sommes à la phase finale de la restructuration. Et après la restructuration, nous allons passer à la phase de redynamisation. Et dans cette phase de redynamisation, nous pensons qu'il faut ouvrir le capital de la Sotel. Parce que la Sotel, depuis lors, si cette structure n'a pas donné de résultats réels, si cette structure n'a pas versé les dividendes à l'État, si cette structure, jusqu'aujourd'hui, on parle comment payer les masses salariales qui ne font que se gonfler, ça nous pose des questions et on doit revoir notre méthodologie d'investissement et notre méthodologie de gouvernance de cette structure-là. Et est-ce que cette structure mérite de rester à 100% à l'État ou l'État doit garder le minorité de blocage, chercher à faire comme les autres pays? C'est après examen de ces deux projets de loi que l'Assemblée nationale donne quitus au président de la République. Le gouvernement a désormais des outils nécessaires pour la mise en œuvre de ces deux projets. Et l'Assemblée nationale doit veiller sur la bonne gouvernance. La Commission électorale nationale indépendante, CENIC, poursuit ses activités après l'action de serment des membres de la sous-CENIC de la ville de N'Djamena. Le président de cette institution, Mahamata Kodiba, a reçu cet après-midi ses nouveaux membres. Matianem Solange. La Commission électorale nationale indépendante CENI met son arsenal en marche pour affronter les législatives qui pointent à l'horizon. Après avoir mis en place ses démembrements nationaux, elle passe à l'étape suivante, la prestation de ses membres à la Cour suprême. Il s'agit ici de la représentation de la sous-CENI de la ville de N'Djamena. Après cette phase aussi importante, la CENIMER juge utile de mettre en place les membres des différents bureaux dans leurs fonctions. Le vice-président donne les conditions dans le cadre de la mise en place du bureau. Vous avez le président qui est déjà connu, il est à ma droite. Deux vice-présidents, chacun provenant d'un regroupement, soit de la majorité, soit de l'opposition. Deux rapporteurs choisis également sur le même critère, un trésorier général et son adjoint. Vous le savez, puisque vous êtes déjà en possession des textes officiels, lois et décrets régissant la CENI. Kodi Mamad Bam, président de la CENI, appelle quant à lui ses collaborateurs à être loyaux, libres et démocratiques. Ceux que nous venons d'inviter, que nous avons invités ce matin, sont essentiellement constitués des présidents, d'abord le président provincial, ensuite les autres présidents des sous-CENI, donc des différentes communes de la ville d'N'Djamena. Nous allons tous nous mettre au travail. Cette action déterminante vient donner un plus aux activités de la CENI dans les préparatifs liés à l'organisation des élections à venir.
Les activités de l'accélération du contrôle et de l'élimination des maladies tropicales négligées, en abrégé ACINDA, ont été officiellement lancées ce matin par la directrice de lutte contre les maladies. C'est au cours d'un atelier qui a vu la participation des techniciens de la santé publique venus des différentes provinces du pays. Mamata Ouma Moussal. Ces activités de l'accélération du contrôle et d'élimination durable des maladies tropicales négligées ACEN au Tchad a pour objectif de lutter contre les maladies tropicales négligées au pays. Il s'agit de l'oncocercose, de la filariose et du trachome. Pendant 3 jours, les techniciens de la santé publique venus de différentes provinces vont présenter la situation de lutte contre ces pathologies afin d'élaborer de nouvelles méthodes et des stratégies efficaces pour combattre ces maladies. Pour les partenaires techniques et financiers, des efforts considérables sont fournis par le gouvernement tchadien dans le but de contrôler et d'éliminer définitivement ces maladies. Le Tchad est en avance sur la mise en œuvre de la CENT. Un projet financé par DFID, DFID qui est le département de développement international du Royaume-Uni, de l'Angleterre. C'est un peu comme l'agence française de développement pour les Français, USAID pour les Américains. Donc c'est DFID qui le finance. Pour accélérer l'élimination, le contrôle et l'élimination durable. La directrice de lutte contre les maladies, représentant le ministre de la Santé publique, remercie les partenaires tout en mettant l'accent sur l'importance de ce projet. Nous sommes aujourd'hui rassemblés autour d'une ambition commune, celle de contrôler et d'éliminer les maladies tropicales négligées, source de souffrance d'une tranche importante de notre population. De toute évidence, les maladies tropicales négligées sont principalement des maladies infectieuses qui sévissent dans les milieux déshérités, surtout dans la chaleur et l'humidité des climats tropicaux. Au terme de ces travaux, les participants vont analyser et évaluer la situation des maladies tropicales négligées au Tchad afin d'élaborer un plan de lutte contre ces pathologies pour une période de 3 ans. Et puis suite aux publications sur les réseaux sociaux ces derniers temps annonçant la suspension des activités de la compagnie Turkish Airlines au Tchad, l'ambassadeur de Turquie au Tchad, son Excellence Erdal Sabri Ergen, a fait une déclaration pour démentir ces affirmations mensongères. Suivez. On a vu des informations, des allégations dans les médias sociaux que la compagnie aérienne turque est en train de se retirer du Tchad. Ces allégations ne sont pas fondées du tout. La compagnie aérienne turque est ici au Tchad depuis 2013 et dessert N'Djamena Istanbul plusieurs fois par semaine. En effet, en 2019, février, après la visite présidentielle en Turquie, on a augmenté le nombre des services de 2 à 3 par semaine. En plus, la compagnie aérienne turque est en train d'agrandir leur bureau et on a demandé des avions plus grands et je crois que ça va arriver. Et on est très content, comme vous voyez, de ces développements. C'est certain qu'on va continuer. La compagnie turque aérienne va continuer les services N'Djamena de Istanbul 3 fois par semaine au moins. C'est très important pour nous. Il y a plus de 1000 étudiants en Turquie. Il y a plusieurs compagnies ici à N'Djamena et plusieurs compagnies en Turquie. Et en plus, la compagnie aérienne turque est une des plus grandes compagnies au monde. Alors, ce n'est pas seulement à Istanbul et en Turquie qui vont le Tchadien, mais ils vont partout au monde, au Canada, en Amérique et plus, d'autres places. En conséquence, je veux seulement répéter que les allégations sur que la compagnie aérienne turque va se retirer du Tchad ne sont pas fondées.
Et puis, la teneur de ce communiqué de presse, la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Madidjan Pajar-Ruth, a reçu ce lundi à son cabinet l'ambassadeur de la Turquie au Tchad, Erdal Sabri Ergen, le diplomate turc, est venu échanger avec le chef du département en charge de l'agriculture, Madidjan Pajar-Ruth, sur les actions pouvant permettre de développer le secteur de l'agriculture au Tchad. Erdal Sabri Ergen est porteur d'un message du ministre de l'Agriculture de la Turquie à sa collègue du Tchad, sollicitant ainsi les possibilités de coopération et d'investissement au Tchad, surtout dans le domaine de l'agriculture. La ministre a rassuré son lot de la disponibilité et de l'engagement de son département à travers les services techniques pour toute action tendant à booster le secteur de l'agriculture et de dire que la réponse du message ne tardera pas à parvenir à son homologue turc. Ce communiqué de presse est signé de l'attaché de presse Tom Tebayan Garnat. La coordination des chefs traditionnels basés à Mundu a organisé une cérémonie traditionnelle sur la culture Mbaou. C'était en présence des autorités administratives traditionnelles et des populations sorties nombreuses pour la circonstance. Robert Doumio. Mbaou, un terme en gambaï qui signifie les riverains ou les pêcheurs. En organisant cette manifestation, la coordination des chefs traditionnels basés à Mundu entend valoriser la culture Mbaou. Étant donné que c'est une cérémonie traditionnelle, tout a commencé par les rites, notamment des sacrifices offerts par les chefs de terre pour purifier le fleuve Logon. En donnant le ton, le promoteur de la culture Mbaou Aladon Vincent Lendoulikemian invite la première équipe à démontrer au public les différentes techniques de pêche appelées Tiye, Bendeng, So et Kagbura en gambaï. La deuxième étape est axée sur les échanges des produits basés sur le troc entre éleveurs, agriculteurs et pêcheurs. La troisième étape est axée sur la course pluviale. La première vague ne concerne que les jeunes pêcheurs des quartiers d'Oignon, d'Okap et Taillé. Les jeunes pêcheurs du quartier d'Okap sont arrivés premiers, deuxième d'Oignon et troisième Taillé. Pour la deuxième vague, les piroguiers des quartiers Mbomian, Gueulbe et Ngara, sélectionnés pour cette compétition, se sont rivalisés d'ardeur à la manipulation de la pagaie. Les compétiteurs du quartier Gueulbe sont arrivés en tête, suivis de ceux du quartier Ngara et Mbomian. Le secrétaire général de la province du Logon occidental souhaite que cette manifestation, qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation pour la cohabitation pacifique, soit pérenne. Les rites qui consistent à faire en sorte que on ait beaucoup de poissons, hors du sport, qui développe l'esprit de tout le monde, la leçon qu'on tire de la cohabitation pacifique entre l'éleveur, le cultivateur et le pêcheur. Cette tradition-là entre en droite ligne de la politique de cohabitation pacifique prônée par le gouvernement du président de la République, son excellence, M. Idriss Déby Itno, et que nous sommes fiers. La cérémonie a été agrémentée par la danse des initiés. Dans la province du Cameroun, le secrétaire général Soumaïna Issaka a présidé un atelier sur la gestion des ressources naturelles durables. L'objectif est de présenter un programme qui permettra de mettre fin aux conflits agriculteurs-éleveurs dans la dite province. Mahamata Omar Waro. Ils sont au total 50 participants venus de 3 départements du Cameroun à prendre part à cette formation qui durera 3 jours. Les participants sont composés des acteurs et usagers des ressources naturelles. Cet atelier va jeter les bases d'une réflexion de la gestion durable des ressources naturelles afin de prévenir les conflits des usagers dans le Canem. D'ailleurs, l'objectif même de cette formation est d'outiller les acteurs des notions et méthodes en vue d'avoir un regard nouveau sur la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles et de prévenir et gérer efficacement des situations conflictuelles. Dila Karembeyi, superviseur national du projet de cohabitation pacifique dans le Canem, souligne que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet pour la cohabitation pacifique dans la province du Canem, avec l'appui du système des Nations Unies à travers le Fonds de consolidation de la paix. À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure, d'après Dila Karembeyi, de comprendre le cycle de pâturage naturel et l'évolution des troupeaux, connaître les dynamiques qui existent entre la famille et le troupeau, analyser les conflits et leurs causes,
mettre en œuvre des démarches adaptées de résolution des conflits et utiliser les habiletés interpersonnelles et comportements adéquats afin de prévenir ou résoudre les conflits. Il est bien que les mutations actuelles de l'agriculture et de l'élevage pastoral sont source de conflits et que nous observons maintenant. La descente des éleveurs pour le pâturage du sud du pays s'est amplifiée depuis plus de 2 décennies et a conduit à une compétition très forte sur les ressources et sur l'espace. Soumaïn Issar Abirimi, représentant le gouverneur du Kenem, invite donc les acteurs à participer activement au débat et poser des questions afin de maîtriser le concept de la gestion concertée des ressources naturelles et le mécanisme de résolution des conflits dans notre province. Lancement ce matin à la Maison de la Femme des activités de l'Association des usagers du service public de l'eau et de l'énergie, placée sous le thème l'eau et source de vie, l'énergie et le développement ensemble pour une nouvelle vision avec un nouvel esprit. Cette cérémonie a vu la présence du directeur technique de la Société tchadienne des eaux, Ahmad Garasta. Cette cérémonie marque le lancement officiel des activités de l'Association des usagers du service public de l'eau et de l'énergie. Un lancement placé sous le thème « L'eau est source de vie, l'énergie est le moteur du développement, ensemble pour une nouvelle vision avec un nouvel esprit ». Créée en mai 2019, l'association a pour but de représenter les usagers de l'eau et de l'énergie et de défendre leurs intérêts. L'esprit ne s'arrêtera pas là. Nous interpellons les sociétés privées des eaux, d'énergie comme telles que Tigo, RTL, les différentes raffineries, la brasserie du Tchad, de prendre les responsabilités, de mettre du sérieux dans leur travail pour satisfaire les besoins de la population tchadienne. Le directeur technique de la Société tchadienne des eaux rassure de la disponibilité de son institution d'appuyer l'association dans la mise en œuvre de ses projets. Nous allons apporter notre contribution à l'association et mettre sur place des procédures pour qu'on soit épargné de certaines maladies. Plusieurs intervenants se sont relayés pour saluer la création de l'Association des usagers du service public de l'eau et de l'énergie. On vient de le dire, l'eau c'est la vie. Et pour sauver des vies, le chef de canton de Sama, Mahamat Moussa Bezou, a mis à la disposition des personnes handicapées un forage d'eau. Les détails avec Dieudonné Koutou. Le chef de canton urbain de Sar, Mahamat Moussa Bezou, a apporté un appui au cadre d'action humaniste des personnes handicapées de la province du Moyen-Chari en leur offrant une pompe à motricité humaine. Résumé de ce geste, le président du cadre d'action humaniste des personnes handicapées, Ouya Bassou Boula, s'est dit comblé de ce geste charitable du chef de canton urbain et l'a rassuré qu'ils prendront soin de cette pompe à motricité humaine. Aujourd'hui, le siège des personnes handicapées de SAR est en fait doté d'un forage d'eau à motricité humaine. Cet ouvrage est l'œuvre de Sa Majesté le chef de canton urbain de Sar, Mahamat Moussa Bezou. Nous allons inscrire son nom dans les annales de l'histoire de la ville de Sar et précisément pour les personnes handicapées. Remettant ce don, le chef de canton urbain Mahamat Moussa Bezou a souligné que s'il a bien voulu faire ce don, c'est parce qu'il a vu que dans l'enceinte de ce cadre, il n'y a aucune pompe. Et c'est très difficile pour les membres du cadre d'action humaniste des personnes handicapées de trouver de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et là où il y a la vie, il y a l'espoir. Espérons que d'autres réalisations de ce genre puissent s'en suivre et surtout s'implanter ici. Pour finir, le chef de canton urbain de Sar, Mahamat Moussa Bezou, a demandé aussi aux personnes de bonne volonté de venir en aide au cadre d'action humaniste des personnes handicapées de la province du Moyen-Chari. Et puis la Maison des patrimoines culturels du Tchad, à travers la direction du Centre national de lecture publique et d'animation culturelle, vient d'initier une formation à l'intention des animateurs des centres de lecture et d'animation culturelle. Une cérémonie présidée par le directeur général du ministère de la Culture. On en sait plus avec Abdoul Kéoul. Faire des centres de lecture et d'animation culturelle, CLAC, des outils au service du développement du pays est la volonté manifeste du gouvernement et ses partenaires. À cette formation, les acteurs de la chaîne du livre vont renforcer leurs capacités en technique d'animation et de gestion des bibliothèques.
Le coordonnateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchad relève que les CLAC participent à l'éducation de la société. Le CENALPAC est l'une des composantes de la MPCT. Il a toute sa place dans la planification et la mise en œuvre des actions du ministère en charge de la culture en faveur de la promotion de la lecture publique au Tchad. C'est pourquoi il est au centre de nos préoccupations et mérite une attention particulière. De ce fait, les CLAC constituent l'un des piliers de nos actions dans le Tchad profond. Tout en relevant l'importance de la lecture, le directeur général du ministère de la Culture informe que le gouvernement reste sensible face à la question de la promotion du livre. La mise en place de la Maison des patrimoines culturels du Tchad et la création du Centre national des lectures et d'animation culturelle sont la preuve que le gouvernement de la 4e République est animé d'une réelle volonté de faire de la lecture et du livre un tremplin pour l'excellence, car, comme on l'a dit, un trésor est caché là-dedans. Partenaire du ministère de la Culture, l'Organisation internationale de la francophonie, représentée par Issa Bongo, a réaffirmé la volonté de son institution à accompagner le gouvernement dans sa politique culturelle. Issa Bongo appelle aussi à une consolidation des efforts afin de donner une nouvelle dynamique au centre de lecture et d'animation culturelle. À la veille de la rentrée scolaire, le réseau des associations pour la protection des enfants au Tchad a fait un point de presse. Madjiroum Melom Priska, chargé des affaires du RéASP, exprime les inquiétudes du réseau aux responsables du système éducatif tchadien. Suivez. Vu l'article 38 de la Constitution de la République du Tchad, qui garantit la gratuité de l'école et rend obligatoire l'envoi des enfants à l'école. Vu la Convention relative aux droits de l'enfant et de la Charte africaine des droits de l'enfant qui demande aux États parties de s'investir pour l'éducation des enfants, considérant la situation de pauvreté dont sont victimes les parents incapables d'envoyer leurs enfants à l'école, considérant les taux d'inscription qui ne cessent d'augmenter chaque année, considérant les mépris et l'exigence que les administrateurs des établissements scolaires réservent aux parents démunis pendant les inscriptions, convaincus que l'école demeure le temple du savoir pour un enfant. Nous, enfants ambassadeurs, recommandons ce qui suit au gouvernement de rendre dans le fait la gratuité de l'école conformément au respect de la Constitution nationale afin que tous les enfants, filles ou garçons, bénéficient de l'égalité des chances, de s'investir pour que la rentrée scolaire 2019-2020 ne souffre d'aucune grève pour la réussite scolaire des enfants. Aux parents de faire le suivi de leurs enfants à l'école afin de découvrir leur comportement vis-à-vis du corps enseignant et de leurs camarades de classe. Et enfin aux enfants de chasser la violence en milieu scolaire et de se renforcer du courage pour la réussite de leur avenir. Et puis une formation technique destinée aux journalistes arabophones s'est ouverte ce matin. Une initiative de l'association Tchado Golf avec l'appui de l'ambassade des Émirats Arabes Unis. Un reportage signé Yarcho Abani Abicho. 30 journalistes arabophones des différents organes de presse à l'école du savoir. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des journalistes arabophones dans plusieurs domaines. Pour l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ali Ashamsi, cette formation entre dans le programme de son pays pour 1000 jeunes dans tous les domaines. C'est aussi dans le cadre de la politique du chef de l'État, soucié de l'avenir des jeunes du pays. L'ambassadeur invite les participants à cette formation de mettre en pratique toutes les expériences acquises. Pour le secrétaire général de l'association Amitié Tchado Golf, Mohamed Dardoumou, cette formation se justifie par rapport à l'importance du métier de journalisme, dont le rôle dans la société n'est plus à démontrer. En religion, sachez que le mouvement d'édification des jeunes chrétiens de N'Djamena clôt hier le camp biblique de formation axé sur la connaissance de Dieu pour marquer la différence. Les détails avec Ahmad Garasta. Le mouvement d'édification des jeunes chrétiens du consistoire de N'Djamena vient de renforcer les capacités spirituelles des jeunes chrétiens de la capitale et ses environs.
Par cette formation, le mouvement entend amener la jeunesse chrétienne à espérer et à placer sa confiance en Dieu. On avait fait un camp de 3 jours. Durant ces 3 jours, on avait eu le moment d'échange, de collaboration, tout ça. On a eu des amis. En tout cas, c'était un moment vraiment très bien. On a eu des enseignements sur la formalité du mariage en milieu jeune chrétien. Pour le président du mouvement d'édification des jeunes chrétiens, Gwanghibe Kerhang, durant 3 jours, plusieurs thématiques sont enseignées, notamment comment mener une vie consacrée à Dieu, l'entrepreneuriat agricole et comment créer une entreprise. Les hommes de Dieu ont mis à profit cette occasion pour prier une paix durable au Tchad. 15 athlètes militaires préparent activement le championnat militaire qui se déroulera du 18 au 25 octobre prochain en Chine. Ce matin au stade, Idriss Mahamat Ouya, le staff technique, a fait passer un test de présélection aux athlètes pour connaître leur niveau. Innocent Kilayo. Sur les 15 athlètes sélectionnés pour préparer le championnat du monde militaire, 7 seront définitivement retenus pour la Chine. Ces 7 athlètes iront défendre les couleurs nationales dans les disciplines suivantes. Les 100 mètres, les 200 mètres, les 400 mètres, les 1500 mètres, les 800 mètres, pour ne citer que cela. Sur les 100 mètres, Mohamed Ali Sakin est bien parti pour être retenu. Soumis ce matin au test de présélection, l'entraîneur des athlètes militaires apprécie déjà le niveau de ses poulains. Je suis tellement fier même de mes athlètes. Je n'arrive pas à voir même parce qu'ils ont fait incroyable, c'est très bon. En forme pour affronter les jeux mondiaux militaires. À la direction des sports militaires, l'on se réjouit du fait que le nombre des athlètes a augmenté pour cette édition de la Chine. Tous les soutiens sont envers tous les athlètes. Depuis qu'ils ont commencé, depuis le 14 jusqu'au nos jours, nous sommes derrière eux. On n'a pas de problème. Le championnat du monde militaire prévu en Chine aura lieu le 18 octobre 2019. Les athlètes militaires ont encore 3 semaines pour se mettre en jambes avant le départ. Et puis la teneur de ces quelques décrets avant de clore cette édition. Décret numéro 1600 porte nomination des officiers des forces armées et de sécurité à des postes de responsabilité à la gendarmerie nationale. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, décrète article 1er. Les officiers supérieurs à des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité dans les légions de la gendarmerie nationale et le groupement de sécurité et de la protection des installations pétrolières de Djarmaya. Légion de gendarmerie numéro 5, Mongo, commandant de légion, colonel Sebi Bachar Hadid, poste vacant. Légion de gendarmerie numéro 7, Bongor, commandant de légion adjoint, lieutenant-colonel Anour Youssouf Agar, en remplacement du lieutenant-colonel Youssouf Amat Abrahim, appelé à d'autres fonctions. Légion de gendarmerie numéro 13, Massenia, commandant de légion, colonel Djeroua Kirni Keberdo, en remplacement du colonel Sebi Bachar Hadid, appelé à d'autres fonctions. Légion de gendarmerie numéro 16, Cobra, commandant de légion, lieutenant-colonel Youssouf Amat Brahim, en remplacement du lieutenant-colonel Amat Hassan Al-Khali, appelé à d'autres fonctions. Légion de gendarmerie numéro 23, Biltin, commandant de légion adjoint, lieutenant-colonel Tahir Hassan Hadoud, en remplacement du lieutenant-colonel Idriss Narnil, appelé à d'autres fonctions. Groupement de sécurité et de la protection des installations pétrolières de Djarmaya, commandant de groupement, chef d'escadron Eric Goya Berkou, en remplacement du lieutenant-colonel Anour Youssouf Agar, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre des finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. N'Djamena, le 30 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1601 portant nomination de M. Ali Amat
Yacoub, chef de canton Mourou dans la commune de Kerfi, département de Kimiti, province du Sila. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, décrète article 1er. Monsieur Ali Ahmad Yacoub est nommé chef de canton Mourou dans la commune de Kerfi, département de Kimiti, province de Sila, en remplacement de Monsieur Abdedine Mahamat. Article 2. Le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de deux goumiers conformément au décret numéro 629/PR/PM/MATGL/2016 du 15 septembre 2016 suivisé. Il bénéficie des allocations mensuelles conformément au décret numéro 628/PR/PM/MATGL/2016 du 15 septembre suivisé. Le secrétaire et les goumiers bénéficient des rémunérations mensuelles fixées par le décret numéro 630/PR/PM/MATGL/2016 du 15 septembre 2016 suivisé. Article 3. Le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République. N'Djamena, le 30 septembre 2019, Idrissa Déby Itno. Décret numéro 16-02 portant nomination de M. Moussa Saleh Corso, chef de canton Ouéra dans la commune de Dougouba, département d'Iriba, province de Wadi Fira. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, décrète article 1er. M. Moussa Saleh Corso est nommé chef de canton Ouéra dans la commune de Dougouba, département d'Iriba, province de Wadi Fira. Le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de deux goumiers conformément au décret numéro 629/PR/PM/MATGL/2016 du 15 septembre 2016 suivisé. Il bénéficie des allocations mensuelles conformément au décret numéro 628/PR/PM/MATGL/2016 du 15 septembre 2016 suivisé. Le secrétaire et les goumiers bénéficient des rémunérations mensuelles fixées par le décret numéro 630/PR/PM/MATGL/2016 du 15 septembre 2016 a suivisé. Article 3. Le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République. N'Djamena, le 30 septembre 2019, Idrissa Déby Itno. Décret numéro 16-03 portant nomination de M. Wardougou Rosi Hamis, chef de canton Koma, dans la commune de Kalaït, département de Moucha, province de l'Inédi Ouest. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, décrète article 1er. M. Wardougou Rosi Hamis est nommé chef de canton commun dans la commune de Kalaït, département de Moucha, province de l'Inédi Ouest, en remplacement de son frère Ali Hissène Hamis, décédé. Article 2. Le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de deux goumiers conformément au décret numéro 629/PR/PM/MATGL/2019 du 15 septembre 2016, suivisé. Il bénéficie des allocations mensuelles conformément au décret numéro 628/PR/PM/MATGL/2016 du 15 septembre suivisé. Le secrétaire et les goumiers bénéficient des rémunérations mensuelles fixées par le décret numéro 630/PR/PM/MATGL/2016 du 15 septembre 2016 suivisé.
réalisée. Article 3. Le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République. N'Djamena, le 30 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1605-04 portant nomination de M. Mahamat Brahim Kirke Bakit, chef de canton Bar Azoum dans la commune de Koukou Angarana, département de Koukou Angarana, province du Sila. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, décrète article 1er. M. Mahamat Brahim Kirke Bakit est nommé chef de canton Bar Azoum dans la commune de Koukou Angarana, département de Koukou Angarana, province de Sila, en remplacement de M. Mahamat Brahim Bakit. Article 2. Le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de deux gommiers conformément au décret numéro 629/PR/PM/MATGL/2016 du 15 septembre 2016 suivisé. Il bénéficie des allocations mensuelles conformément au décret numéro 628/PR/PM/MATGL/2016 du 15 septembre 2016 suivisé. Le secrétaire et les gommiers bénéficient des rémunération mensuelle fixée par le décret numéro 630/PR/PM/MATGL/2016 du 15 septembre 2016 suivisé. Article 3. Le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées et le ministre des Finances et du Budget sont chargés de chacun ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République. N'Djamena, le 30 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.